Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance flash pour recevoir les messages de votre autre. On va voir quelle est la tendance énergétique de cette personne d'abord avec les cartes qui sont tombées du mélange et ensuite par canalisation. On y va. Je sais qui tu es pour moi, mais mes peurs me paralysent. Quand je suis avec toi, tout me paraît facile. Tu es ma lumière. Je pense très souvent à toi, tu me hantes. J'ai l'espoir de te retrouver rapidement. Je te manipule, c'est plus fort que moi. Un jour, nous serons ensemble. Bien. Qui se cache derrière cette énergie? C'est quelqu'un qui a très peur de vous. Très peur de vous, on me dit. Quelqu'un qui fait un pas en avant et 10 en arrière. Pour vous dire à quel point ces peurs l'empêchent, le bloquent. Hein. Il y a un blocage corporel, le mental le bloque aussi pour faire un pas, quoi. Ne serait-ce qu'un petit pas, un contact par SMS. Alors, imaginez le fait de vous voir. J'ai quelqu'un quand même qui est timide. On me dit, il est timide. Alors, bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est une énergie collective, hein. C'est celle-ci qui vient à moi, à travers cette guidance. Vous êtes sa lumière, parce qu'en fait, en votre présence, tout est facile. Tout se simplifie, tout est amour. Vous êtes une lumière, tout brille autour de vous. Vous attirez magnétiquement toutes les personnes vers vous. D'ailleurs, ça le rend jaloux d'avoir autant d'attention sur vous. Quand je dis attention, c'est des yeux aussi, hein. Les regards des autres hommes ou femmes, bien sûr, interchangés si c'est le cas. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il vous hante ses pensées, même si... Il essaye de se concentrer sur autre chose. Il n'arrive pas à vous retirer de sa tête. En tout cas, c'est maintenant, à l'heure actuelle, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Même, il n'arrive même pas à travailler, on me dit. Il est bloqué. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des choses à se reprocher. Dites-moi mes lumières dans les commentaires. C'est quelqu'un qui n'est pas blanche colombe, comme on dit. Malgré qu'il nourrisse l'espoir de vous retrouver, hein, de peut-être renouer des liens comme avant, on me dit comme avant. Il reste persuadé que vous serez un jour ensemble. Comme si vous êtes la femme idéale et que... ou l'homme idéal, et qu'il est passé à côté de vous à cause d'une sottise. Quelle est cette bêtise qu'il a fait, qu'il ou elle a fait, pour passer à côté de vous? C'est quelqu'un quand même, malgré sa timidité, je pense que c'est comme ça qu'il s'en sort. Il a un petit côté charmeur, qui fait que bon, voilà, il pense que vous allez lui pardonner avec un petit, vous savez, en étant le plus doux possible. Est-ce que c'est son style? Dites-moi mes lumières. C'est quelqu'un qui, de toute manière, sait y faire, comment ruser ou, voilà, manipuler, hein, on utilise le mot manipuler aussi. Après, c'est pas une manipulation nocive ou toxique pour vous emprisonner, c'est une manipulation pour combler sa timidité,
pour, alors combler, non, c'est compenser le mot, sa timidité, parce que ça cache un manque de confiance en lui. Donc oui, il se la joue un peu le beau gosse style, voyez, celui qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, voilà, pour vous séduire, vous reséduire à nouveau. Donc j'ai quelqu'un qui a espoir que ça reprenne entre vous. Et c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas toxique en soi. Il a une conscience, il sait qu'il a fait une bêtise et qu'il veut réparer, tout simplement. Donc à vous de voir si, bien sûr, vous laissez entrer ou pas à nouveau cet autre dans votre vie. Ça va pas évidemment s'adresser à tout le monde, et pour ceux et celles qui sont définitivement vaccinés de cet autre, voilà, et qui sont lassés aujourd'hui et avancent dans leur lumière, je vous dis bravo, félicitations. Moi, je suis fière de vous parce que de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, c'est déjà un pouvoir énorme qu'on détient entre nos mains. Donc écoutez toujours votre cœur, gardez votre libre arbitre et sachez toujours évaluer cette capacité de discernement que vous avez en vous et l'intuition, hein, très forte, la clairvoyance que vous avez pour vous guider. Tous les autres ne sont pas tous rattrapables, on va dire, entre guillemets. Voilà mes lumières, c'était le message flash du jour. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Bye bye.